Une carte Google Play de 50€ est cachée dans la vidéo, sois le premier à la retrouver pour gagner cet argent. Bonjour à tous les amis, c'est Forlan, j'espère que vous allez bien. Bah moi écoutez, ça va super. Et aujourd'hui on va voir un phénomène étrange qui se déroule dans l'herbe. Et faites attention, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Car oui, si vous êtes confronté à cet événement, il ne faut surtout pas faire de bêtises. Sinon ça peut être très dangereux pour vous. Avant que j'attaque le sujet de la vidéo, n'oubliez pas que si vous voulez un iPhone X à la fin du mois, il faut liker cette vidéo, la commenter un maximum de fois. Et bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube COD Forlan, et attention, si vous invitez 5 amis à vous à vous abonner à ma chaîne, eh bien vous aurez 5 fois plus de chances de gagner, bonne chance. Bref, comme je vous le disais auparavant, aujourd'hui je vais parler d'un phénomène qui se nomme les bulles d'herbe. Alors oui c'est une bulle en forme d'herbe, mais vous allez voir pourquoi, parce que je pense que vous ne connaissez pas du tout ce phénomène, adulte ou même plus jeune, je pense que vous en avez pas entendu parler forcément, mais sachez que cette année, il y a beaucoup de bulles d'herbe qui vont être recensées, parce qu'il y a beaucoup d'intempéries cette année, et du coup c'est un phénomène rare, voilà, qui va se passer cette année. Donc faites vraiment attention à vous. Donc ce phénomène peut être décrit sous deux méthodes. Donc en fait, si vous voulez, vous êtes dans votre jardin, etc. Et vous voyez une bosse, voilà, une bosse, etc. Qui flotte un petit peu, enfin c'est un peu bizarre. Vous savez qu'il y a un liquide à l'intérieur. Il ne faut surtout pas l'éclater. Voilà, l'éclater ou percer le liquide, parce que des fois il peut y avoir un liquide très dangereux qui peut vous coûter la vie. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça peut apparaître, ces formes de bulles d'herbe. Alors soit il y a de l'eau dedans, soit il y a des liquides fermentés assez bizarres dedans. Donc comment savoir si ces liquides sont nocifs ou pas? Donc je vais vous passer quelques vidéos, voilà, quelques exemples de bulles d'herbe qui ont été recensées. Donc alors vous avez des bulles d'herbe qui peuvent se faire à cause des intempéries. Par exemple, voilà, il a plu beaucoup, il y a eu un ouragan, et du coup, toute l'eau s'est mise en poche, on va dire, dans l'herbe, et résultat, bah, ça fait une bulle géante, et quand vous percez la chose, il y a de l'eau sale, en général, qui sort de l'herbe, et donc c'est pour ça que ça, c'est un phénomène qui n'est pas nocif, mais il faut surtout pas boire l'eau, quoi, je pense que vous êtes assez intelligent pour le savoir. Mais il y a aussi la deuxième, et celle-là, je peux vous dire qu'il faut surtout pas toucher à cette bulle d'herbe, c'est quand vous avez un tuyau dans votre jardin, donc qui est percé, résultat, bah vous avez, comme d'habitude, hein, vous avez la bulle d'herbe qui va apparaître dans votre jardin. Donc je vais vous montrer à l'écran, hein. Normalement il y aura des vidéos qui passeront. Et bien en fait il faut surtout pas la percer celle-là, parce que comme vous pouvez le voir, il y a des enfants, voilà, il y a un tuyau qui s'est cassé, voilà, qui s'est percé à cause du froid, donc dans le jardin, et il y a des enfants qui ont été à côté en train de, bah, de voir des bulles d'herbe, voilà, ils voulaient éclater un petit peu, c'était marrant, sauf qu'il y a un liquide très dangereux à l'intérieur, parce que ce n'est pas de l'eau qu'il y a dedans, il faut surtout pas l'éclater. Donc si vous voyez ça, je vous fais confiance, vous pouvez en mourir si vous l'éclatez, cette bulle d'herbe. Donc faites vraiment attention. Maintenant je sais très bien qu'il y a des malins d'entre vous qui veulent voir une personne éclater donc ce genre de bulle dans l'herbe, résultat avec de l'eau dedans. Bon, je vais juste vous montrer des bulles qui ont été éclatées avec de l'eau à l'intérieur, pas de liquide dangereux, mais bon, vous allez voir que c'est quand même satisfaisant. Donc je vais vous laisser toute la fin de la vidéo. Juste un truc à vous dire avant de vous passer les vidéos, c'est que sur ma chaîne secondaire j'ai réagi à ce genre de vidéo, donc si vous voulez, donc la vidéo sera disponible un petit peu après, donc 2 heures après cette vidéo mise en ligne sur ma chaîne principale. Je vous mets le lien de ma chaîne secondaire dans la description, donc il y aura marqué chaîne secondaire Forlan TV, et du coup bah n'hésitez pas à aller vous abonner, parce qu'il y aura une vidéo réaction sur ça, justement, sur les bulles d'herbe, etc. Comment la première fois j'ai vu ça, et j'ai voulu savoir ce que c'est en recherchant sur internet, etc. Et en fait il n'y a aucune vidéo française qui parle de ce phénomène, alors que ça va arriver, j'en suis sûr à 100% quand il va pleuvoir. Enfin c'est très bizarre, je pense que quand vous allez voir ça dans votre jardin, n'hésitez pas à partager la vidéo à tout le monde, puisque vous allez pas trop savoir quoi faire, et je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui vont éclater ça, mais il faut surtout pas l'éclater. Voilà, si vous êtes sûr qu'il y a de l'eau dedans, voilà, vous pouvez dire à vos parents de vous surveiller, etc. Mais s'il y a un liquide dangereux, mais laissez tomber, hein, si ça vous touche la peau, vous êtes très très mal. Enfin bref, voilà, je vous laisse du coup avec la vidéo, let's go! It's gonna be like that Maxzit video. Oh! Maxzit video. I did. It was gross! We're gonna close that whole house over there. Lawns it.